Un enfant va naître, on l'appellera Dieu fort, en lui seront bénis tous les peuples de la terre. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Il viendra de Sion, le Tout-Puissant, celui qui sauvera son peuple. Qui nous régit.
d'Isaïe 61-62. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas avant que son juste ne monte comme l'aurore. Porter la bonne nouvelle à ses pauvres. Chante mon âme la louange du Seigneur. Je vais louer le Seigneur tant que je vis. Chante mes hymnes pour mon Dieu tant que je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie. Il s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, parce que je ne viens pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qu'il veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia.
espérance des nations, sauveur de tous les peuples, viens sauver ce qui était perdu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et il se réjouissait avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit Jean et son nom, et tout le monde fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme pour nous faire entrer dans le mystère de la naissance de Jésus, cette page d'évangile que nous venons d'entendre nous présente la scène d'une autre naissance miraculeuse, en ce sens que cette naissance est le fruit de la promesse de Dieu, la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, son nom, nous le savons bien, signifie faveur de Dieu. Jean-Baptiste est le dernier des prophètes. Nous pouvons dire que Jean-Baptiste est la dernière faveur de Dieu, le dernier des prophètes, avant que le Seigneur lui-même ne vienne nous adresser directement la parole. L'évangéliste Luc nous parle de la naissance du fils de Zacharie et d'Élisabeth. Il est certes le fruit de leur union, mais ce fils annoncé par l'ange est aussi l'œuvre de Dieu. Et Zacharie, devant le miracle de cette naissance, ne retient pas sa joie. Il a compris. Après un premier moment d'incrédulité, que la parole de Dieu est forte et efficace. Il est devenu croyant, il n'est plus muet, sa langue s'est déliée et il peut parler. Son cœur est plein de joie devant ce Fils,
fruit de l'écoute de la parole de Dieu. Ainsi, la naissance de Jean-Baptiste suscite l'émerveillement, non seulement dans la maison de Zacharie, mais aussi chez tous les voisins. Et oui, frères et sœurs, chers amis, chaque fois que l'Évangile est accueilli, chaque fois que l'Évangile est écouté, chaque fois que l'Évangile est mis en pratique, il crée un climat nouveau parmi les hommes. L'Évangile écouté avec foi et prêché avec clarté change le cœur du croyant et celui de son entourage. Tel est le chemin que l'Évangile nous indique pour changer le monde. Un chemin qui n'est pas superficiel, mais c'est un chemin profond, un chemin intérieur et qui nous mène jusqu'au ciel. Et voilà Noël. Noël, c'est accueillir dans notre cœur le Verbe Jésus. C'est le communiquer aux autres pour la joie de tous. Pour terminer, écoutons ce que disait un mystique du XVe siècle qui avait nom Silésius. Je le cite. « Même s'il naissait 1000 fois à Bethléem, si le Christ ne naît pas dans ton cœur, tu serais perdu à jamais. » Prions notre Seigneur Jésus-Christ qui nous visite dans sa grande miséricorde. Viens, Seigneur Jésus, viens, tendresse de Dieu. Viens, Seigneur Jésus, viens, tendresse de Dieu. Tu es sorti du sein du Père pour revêtir notre humanité. Libère notre vie du péché et de la seconde mort. Viens, Seigneur Jésus, viens, tendresse de Dieu. Tu viendras manifester ta gloire parmi tes élus. Fais attendre aujourd'hui ton appel à ceux qui sont loin de toi. Viens, Seigneur Jésus, viens, tendresse de Dieu. Nous nous glorifions dans ta louange. Dès maintenant, visite-nous par ton salut. Viens, Seigneur Jésus, viens, tendresse de Dieu. Tu nous as conduits par la foi vers la lumière. Fais-nous vivre par ta justice de manière à te plaire. Viens, Seigneur Jésus, viens, tendresse de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons
il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, où ton Église te présente la parfaite adoration de ton Fils, nous rétablisse dans ton amitié. Pour que nous fêtions d'un cœur pur la naissance de notre Rédempteur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde
une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et nous te prions en particulier ce matin pour Béatrix et Jean-François Bertrand, pour qui je célèbre cette messe. Se recommandent aussi à nos prières Jackie et Sylvie Dumas et leur famille. Et nous prions aussi pour la santé de Bonnet Wolf. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Se recommandent à nos prières aujourd'hui, sont recommandés à nos prières Ange Misi, Berthe, Maria et Yvette. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
plus fort. Amen. Plus fort. Maintenant, tout est accompli de ce que l'ange avait annoncé à la Vierge Marie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé
Prions le Seigneur. Accorde la paix, Seigneur, à ceux que tu as nourris d'un aliment spirituel, pour que jamais ne faiblisse leur vigilance à guetter la venue de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.